Ta 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 ta. Salut tout le monde, c'est Satanos. On est là pour un nouveau Dingo Test sur Jurassic Park 3 Park Builder. Donc je vous laisse l'intro qui est assez sympa. C'est un jeu de Konami, un jeu de gestion, basé plus ou moins sur le film du même nom. Parce qu'on peut voir un spinosaure, là, comme vous pouvez voir, ce qui est le dinosaure principal dans Jurassic Park 3. Et il y a aussi le pteranodon, qui est un animal emblématique de Jurassic Park 3, enfin, même si c'est pas un dinosaure en fait, hein, c'est pour ça que je dis un animal. On va faire un petit tour dans les options. Le jeu est en français, c'est assez sympa. Bon. Alors, le niveau de difficulté, Easy Ward, en fait, la différence, c'est si là, on n'a pas d'arbre du tout en Easy. Et en hard, on a beaucoup d'arbres. Et comme on doit défricher, c'est un peu plus difficile, mais pas tellement. On va mettre easy, parce que je vais pas me prendre la tête. On va mettre la langue française. Voilà, on peut supprimer son fichier de sauvegarde. Alors, premier petit bémol. On va lancer une nouvelle partie. Premier petit bémol. On n'a qu'un fichier de sauvegarde. Donc on va l'appeler SATA Park. Parce que c'est SATA, le parc de Satanos. SATA Park. Welcome to SATA Park. Alors tout de suite, alors avec L et R, on a accès aux deux menus. Donc tout de suite, on va vous montrer les menus. Alors ça, c'est le prix d'entrée, on va le laisser comme ça. La gestion des bus, on laisse comme ça pour l'instant. La publicité, on va en faire tout de suite, parce que s'il n'y a pas de publicité, les gens ne viennent pas à Jurassic Park. Enfin, à mon parc, à SATA Park. Un peu de publicité. Les infos du parc, on n'a pas besoin pour l'instant. Système, on va peut-être mettre ça à fond, les messages. Et voilà, tout de suite, on va envoyer une troupe de chercheurs, d'archéologues, de paléontologues même, parce que c'était ce que je voulais faire quand j'étais petit, je voulais être paléontologue et chercher des dinosaures. Alors, on va les envoyer pendant 3 mois, on peut pas plus, hein. 1, 3 mois, on va les envoyer en Amérique du Nord. Enfin, aux États-Unis, au Canada. Et au Groenland. Voilà, ils sont partis pour 3 mois pour aller chercher de l'ADN. Là, c'est le menu des œufs. Alors, l'analyse, c'est pour analyser l'ADN une fois qu'ils ont ramené des œufs, en fait. Faire œuf, c'est... Une fois qu'on a de l'ADN, on peut faire des œufs. Donc, on a deux bases. On a trois dinosaures. Voilà, on a le Compsognathus. On va en faire deux. Le Compsognathus, c'est les tout petits dinosaures, les petites merdes, mais qui peuvent faire mal quand ils sont en bande. Le Pteranodon, qui n'est pas un dinosaure, mais qui est quand même un... Une créature préhistorique, on va en faire un, même si c'est de la merde. Et le Meganeura, c'est une libellule géante. On va pas en faire parce que c'est chiant. Et c'est chiant. Et on va construire le parc tout de suite. Ça, c'est pour avoir les dinosaures qu'on a... Enfin, qu'on a débloqués, en fait. L'ADN qu'on a débloqué. Donc c'est une encyclopédie. Ça c'est pour échanger de l'ADN à la manière de Pokémon, parce qu'il y a 140 dinosaures, enfin 140 créatures préhistoriques. Le menu construction avec le bouton R. On va fabriquer des routes. Alors voilà, je vais essayer de pas faire un truc trop naze. Faut que les routes se rejoignent. Enfin, vous verrez pourquoi après. Là ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien là. On va continuer jusqu'en haut. Hop là. On va faire une bonne grande route. Bonne grande route. Parce qu'en fait, on va faire un rond-point. Un rond-point, c'est obligé parce que, vous voyez, la route qui était au départ, c'est la route qui vient de l'aéroport en fait. Et donc, c'est de là que les visiteurs arrivent. Voilà, une grande route qui fait le tour. Et après, on va mettre des chemins pédestres. Donc, je sais pas faire un peu trop. Voilà, là, ça me paraît bien. On va ajouter. Alors, je ne sais pas du tout si ça a de l'effet. Enfin, si ça a de l'effet sur les visiteurs. Voilà, un lampadaire et deux fontaines. Sachant que tout, sauf. Alors, les routes, je pense pas, mais les arbres non plus. Tout coûte de l'entretien en fait, hein. Tous les mois on va payer, ah non, l'hôtel pas tout de suite. Alors on a le choix entre 4 sortes de bâtiments, c'est assez peu en fait, c'est peut-être le bémol du soft aussi.
On a le choix entre l'hôtel, les restaurants, les trois types de restaurants, la boutique de cadeaux et les parcelles de dinosaures. Alors pour l'instant, comme on n'a pas de dinosaures, on va fabriquer une sorte de McDo, quoi. Un petit Burger King qui est très apprécié des enfants. Et puis, ça sera déjà ça de fait. Alors, le jeu est un peu répétitif, faut avouer, mais il est sympa. La musique est sympa, la petite musique qu'on entend derrière. Par contre, il y en a très peu. C'est-à-dire, il y a une musique pour le mode construction, et il y a des bus qui arrivent. Même ils galèrent. Voilà. Le bus, il va déposer des gens dans le parc. Pour l'instant, il n'y a rien, mais bon, ils vont s'en contenter. Voilà, ils sont contents, ils vont manger des hamburgers. Hop, un Compsognathus. Un deuxième Compsognathus. Non, un Pteranodon. Et... un, deux... voilà, un Compsognathus. Donc, là, on peut fabriquer... des parcelles. Je vais fabriquer... deux parcelles, parce que si je mets les Pteranodons avec les Compsognathus, ils vont se faire manger. Et j'aime bien, en général, mettre à l'entrée... les gros dinos, parce que là, si j'ai un T-Rex ou un truc de ce genre-là, les grosses bébêtes, à l'entrée, je sais pas, je trouve que c'est bien. T'arrives direct, t'en as plein la gueule. Et ici, on va mettre la zone des petits dinosaures, comme tous les tous. Hop. J'espère que le test sera pas trop long, parce que j'ai pas envie de faire de coupure, ça serait dommage, mais c'est un jeu de gestion, donc il faut laisser le temps... passé, quoi. Alors, Compsognathus. Vous voyez, là, c'est écrit régime carnivore 1, c'est-à-dire c'est un petit carnivore. Il y a carnivore 2, carnivore 3. Il vit sur Terre. Après, on a sa rareté, sa force, son agressivité. Alors ça, par exemple, si on met des dinosaures... on peut nommer les dinosaures, mais ça sert à rien. On va mettre dans la zone 2. Si on met des dinosaures trop agressifs ensemble ou pas assez résistants, ça fout un peu le... enfin, il pète l'enclos, hein. Et ils se blessent entre eux. Et notamment, vous verrez que le Pteranodon, dans quelques minutes, il va tomber malade. Parce que c'est un truc très agressif qui va se mettre à attaquer l'enclos, il va se faire mal. Et en fait, ça va lui coûter très cher. Vous voyez, on voit mes petits dinosaures, les petits Compsognathus et le Pteranodon qui vole. Alors, en cliquant sur l'enclos, on peut voir la liste des dinosaures. On peut... voilà, il y a déjà perdu un de... bon, on va pas le faire, hein. Il a perdu un de résistance, mon enclos, parce que c'est un Pteranodon dedans. On peut augmenter la sécurité de la zone. Et on peut traiter les dinosaures. Après, par dinosaure, on peut les soigner. Mais vous verrez que, en fait, ça coûte plus cher de traiter un dinosaure que de le laisser crever, de le remplacer. Bon, ça baisse un peu le... on perd un peu de pognon dans le parc à cause de ça. Et là, mon parc, il va commencer à gagner de l'argent. Parce que les visiteurs, ils vont être trop contents. Waouh, tout. D'ailleurs, on va fabriquer... on va fabriquer une boutique de cadeaux. Merde. Hop. Et la boutique de cadeaux, on va cliquer dessus. Voilà, on peut... alors on peut augmenter le standing, un peu le niveau du magasin. Pareil pour les restaurants. Parce que bah, c'est un meilleur standing, c'est un peu plus de luxe. Et puis les gens, ils sont peut-être plus aptes à dépenser de l'argent du coup. Donc on peut... après, voilà. On peut changer le prix des articles. Là, on peut... chaque magasin peut contenir 3 articles. Alors voilà, et au départ on en a 4. Et en fait les autres, ils vont se développer au fur et à mesure qu'on obtient des dinosaures intéressants comme le Tyrannosaure ou le Triceratops. Donc pour l'instant, on en a que 4, on va laisser les 4 là, on va pas changer de prix. On va rien changer pour l'instant. On attend que les visiteurs arrivent et on va pas tarder à gagner de l'argent. Et puis quand mon équipe de fouilles sera revenue, on va certainement avoir des nouveaux dinosaures. Alors, pour les gens qui jouent à des SimCity-like, on va dire, ils sont peut-être un peu déçus parce qu'on a très peu de bâtiments disponibles. Néanmoins, on peut faire de la déco, avec un peu d'inventivité, un peu de roleplay, on peut fabriquer un labyrinthe. Ah oui, je vous ai pas montré, mais on peut mettre des plantes. Hein, on va mettre un peu de plantes, c'est joli. Hop. On va mettre... on va mettre quelques plantes, là. Il y a des plantes et on peut poser des rochers. Les rochers, je vous le déconseille parce que dans le jeu, il y a des... oh là, on a déjà passé 2 mois. Alors, on peut faire de la publicité une fois par mois. Alors, essayez de le faire tous les mois, de pas trop oublier. On a plusieurs sortes de publicité.
Voilà, ça c'est les infos. Et en fait, ça touche plus ou moins. Ça touche des publics différents, en fait. Comme là, c'est les enfants et le mari. Là, c'est le mari. Là, c'est la femme. Et King Rex, en fait, c'est le truc le plus rentable au final et le moins cher. Donc, pour pas se ruiner au début, on utilise ça. Essayer de faire de la publicité chaque mois, c'est mieux. Ça permet de garder un flux constant de visiteurs. J'étais en train de dire quoi, moi? Oui, on peut faire un peu de roleplay. On peut faire un peu de déco, par exemple, si on utilise, on fait des chemins en forme de labyrinthe, on peut mettre des rochers autour, on peut mettre des statues aussi, comme vous pouvez voir. Mais ça coûte extrêmement cher. Et ne le faites-le que pour flamber, une fois que vous avez énormément de pognon, sinon c'est la banqueroute assurée. Le jeu dure. On peut cliquer sur les visiteurs. Ok, c'est toujours pareil. Trouver l'article qu'il voulait, il est content. Voilà. Le jeu, la partie dure 20 ans. Et ou bien, si on est dans le rouge au niveau du pognon de pendant 2 ans d'affilée, pouf, c'est fini. L'équipe de fouilles est revenue. On va l'analyser. Leur Ambre. Ils ont trouvé 15 spécimens, c'est énorme. On va les analyser. Là, ils ont trouvé un bout d'ADN. Là, ils ont trouvé un ADN complet, donc un nouveau dinosaure. Là, ils ont complété le premier ADN. Là, ils ont trouvé un ADN en double. Alors, les ADN en double, on peut les échanger par câble Link. Un peu comme Pokémon, en fait, parce que 140 créatures, c'est quand même assez conséquent. Et à faire en une partie, c'est extrêmement difficile, j'imagine. Voilà. Alors, tout de suite, on va lancer les œufs. Les œufs des ADN complets qu'on vient de trouver, en fait. Et je ferai sûrement des nouveaux enclos. Notamment un gros enclos à dinosaures aux herbivores, en fait. Et il y a aussi des créatures marines. Hein. On peut fabriquer des enclos marins. Donc là, il faut que ça soit en partie dans de l'eau, en fait. Parce que sinon, ils meurent très vite. De toute façon, les créatures marines, la plupart du temps, ils meurent très vite. C'est de la merde. Donc, pour rentabilité, c'est naze. Hein, mais bon, on sait pas ce qu'on a avant de fabriquer le dinosaure. Enfin, avant de fabriquer la créature, donc. Tant mieux, tant pis, quoi. Hop, on va aller remettre 3 mois. D'ailleurs, on arrêtera certainement une fois qu'ils seront revenus de ces 3 mois. On les renvoie en Amérique du Nord pendant 3 mois pour compléter les ADN. Hop, je perds du pognon pour l'instant, c'est pas cool. Mais une fois que j'aurai des dinosaures, je pourrai augmenter le prix du parc. Ah oui, on va fabriquer d'autres. On va peut-être fabriquer un hôtel. Bon, ça va être un tout petit parc, hein, ce que je fais pour l'instant. Hein. Vous attendez pas un truc de fou. Voilà, on va augmenter le standing. Parce qu'un hôtel, bon, c'est assez cher. Donc... Et voilà la tronche des gens. Lui, la tronche violette, ça veut dire qu'il n'a pas pu aller où il voulait, il y a trop de monde en fait. Sinon, les autres tronches, bah, ils sont contents. Après, il y a les tronches mécontentes. Il y a le G. Quand il y a un G, ça veut dire que les gens ils trouvent que c'est trop cher. Mais si vous avez des bons dinosaures dans votre parc, les gens trouveront jamais que c'est trop cher en fait. Et moi, j'ai réussi à monter le prix d'entrée du parc à 6000 d'argent, 6000 gold. Et les gens ils se plaignaient pas. Après, j'ai eu plein de dinosaures qui sont morts et les gens se sont plaints que c'était trop cher pour ce que ça rapporte. Et là, on a débloqué plein de dinosaures. Et c'est cool. Et on va aller regarder lesquels. Alors, faut savoir que. Oh, Carnivore 3. Albertosaurus. C'est un dinosaure qui s'appelle Albert. Bon, on va pas l'appeler Albert. On va le mettre dans la zone 1 avec le Pteranodon, mais ils vont certainement se battre. Tant pis. Carnivore 1, c'est très bien. On va le mettre dans la zone 2 avec les copains, les copains Compsognathus. Herbivore 3, donc on devra lui faire une zone. On va faire une zone pour l'herbivore 3. Et là, je vais normalement. C'est à partir de ce stade-là que je commence à gagner plein de pognon. Alors en fait, les visiteurs peuvent voir uniquement à partir des bus. Donc, faut les mettre autour des routes, les parcs. Si vous le mettez à côté des chemins pédestres, normalement ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est mon parc. Dinosaures, herbivores. Et en général, tous les herbivores, je les mets dans le même parc, parce que ils sont assez pacifiques.
ils se bouffent pas entre eux, donc. Mais vaut mieux faire un parc avec plusieurs parcelles, comme là je viens d'en mettre deux, mais on peut en mettre encore plus, beaucoup plus. Hein. Alors lui c'est un carnivore 1 de la mer. Enfin c'est de la merde aussi, c'est tout moche. Est-ce que je l'utilise ou pas? Herbivore 3. Dans la zone 3. Faut se rappeler de quelle zone. On peut pas les renommer, ça c'est un peu dommage. On peut pas les renommer, du coup faut retenir. Surtout qu'on on peut en faire 8 maximum. Un Hippacrosaurus. Alors. Déjà 17 minutes, mais bon. Si le test il fait 20 minutes, ça va aller quoi. Hop. Allez, on va mettre une créature marine qui va certainement crever dans pas longtemps. Parce qu'ils sont comme ça. Et ça, c'est la zone 4. Je ne nomme pas mes dinosaures. De toute façon, ça prendrait énormément de temps. Oui, il y a une crête, c'est un panc. On va le mettre dans la zone 3. Voilà, on a la bébête. Et voyez, hop, il y a un point d'exclamation. Les gens, ils sont contents. Alors, je disais, ce genre de Jurassic Park-like. On va augmenter le niveau de la zone. Parce que c'est là où il y a les dinos méchants, quoi. Ce genre de Jurassic Park Builder-like, il y en a eu un sur PC qui s'appelle Jurassic Park Opération Genesis. Qui me paraît pas mal, mais plus complet en tout cas, plus compliqué, plus vers un public plus adulte, parce que là c'est plutôt pour enfants, ça c'est tout mignon et c'est assez facile en fait. Pteranodon, allez. Oui, c'est toujours le Pteranodon qui fait chier. Bon, on va le laisser claquer parce que c'est cher et puis ça demande beaucoup de traitement. Ça casse les couilles. Donc Pteranodon, on va le laisser claquer. Oui, Opération Genesis. Et il y a un autre Jurassic Park sur Android iOS. Le parc n'est pas connu. Eh ben oui, parce que Satanos, il parle et il oublie de faire de la pub. Oui, je vois... Oui. Ils sont chers, les pubs. Allez. Faut pas... Tu me mets pas dans le rouge, hein. Il y a un autre... Oui, alors Jurassic Park, Opération Genesis, qui est sur PC, je disais, mais il y a aussi sur PS2 et... Xbox. La première Xbox. Et il y en a un autre qui s'appelle Jurassic Park Builder, tout simplement, sur Android, sur iOS. Et c'est du coca. À ce qu'on m'a dit, c'est de la merde, c'est un play to win, c'est-à-dire... Voilà, il est mort, Pteranodon, tant mieux. L'équipe de fou, il demande des sous en plus pour continuer. Allez, j'ai dépensé sans compter. Et il est pas content, lui, pourquoi t'es pas jouasse? Le bus toujours plein, oui, bah j'ai pas 50 000 bus, je suis pas encore millionnaire. Je ne suis pas John Hammond. Il est mort. Zone 4, oui, voilà. Les créatures préhistoriques marines, elles sont foireuses, en fait. Elles vivent quelques mois, ça fait chier. Il y en a qui sont un peu plus résistantes, mais là c'était une espèce de bactérie, une espèce de cafard des mers, là, c'est naze. Et à chaque fois je suis interrompu par des messages, c'est pas bien ça monsieur. Oui, je disais, il y a Jurassic Park Boulder sur Android iOS, visiblement c'est mauvais parce que c'est un pay to win, c'est-à-dire que c'est comme Farmville, au début hop, il faut quelques secondes pour l'éclosion, après il faut quelques... Tu fais chier Albert. Albert Osorio, est-ce que je te soigne ou pas? Parce que c'est pas bon d'avoir un parc vide. Ah, oh, c'est cher. Allez, on le fait quand même, mais t'as intérêt à ramener des visiteurs, Albert. Oui, je disais, ça dure quelques secondes sur Jurassic Park Builder, Android ou iOS. Quelques secondes d'éclosion, après quelques minutes, après quelques heures, après quelques jours, après quelques mois. Et ou bien, t'as le choix de payer pour faire éclore les dinosaures. Et en plus, on ne peut pas perdre dans ce jeu-là. Donc c'est un truc pour Kikou. Quoi. C'est un... Ah, Ambre non analysé. C'est un truc pour Kikou, en fait. Parce que on peut pas perdre, et puis il faut payer... Waouh, 16. Le maximum. Ouais, trouve-moi de l'ambre. On va faire quelques dinos, et après je vais vous quitter. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, je ne vais pas mourir. Hein. Et... J'espère que ça vous a plu, parce que ce jeu-là, je l'aime beaucoup. On peut jouer pendant des heures, on voit pas le temps passer en fait, parce qu'à chaque fois on se dit il y a une expédition va arriver, je vais avoir des nouveaux dinosaures, et puis des fois on débloque le T-Rex ou le Raptor, alors on est trop content. Et un autre truc que je voulais vous montrer,
On va lancer tout de suite. Je vais pas lancer d'équipe d'expédition parce que de toute façon je vais arrêter le test. J'ai dit que je vais pas lancer d'équipe d'expédition. Bon, j'ai pas montré, mais on peut les envoyer un peu dans différentes parties du monde. Ça coûte plus ou moins cher et ça rapporte différentes variétés de dinosaures. Je les avoir quoi. Et les dinosaures, je sais pas si vous avez vu, mais ça coûte plus ou moins cher selon selon la rareté. Il me semble que le plus cher, enfin le plus cher que j'ai vu, moi, c'était le Tyrannosaurus Rex. C'était 14 000. Oui. Oui. Satanos, ressaisis-toi. Faire œuf. Alors ça c'est un peu le bordel parce qu'il faut appuyer sur L et R pour naviguer de, d'un ADN entier à un autre. Et comme il y en a 140, c'est un peu bordel. Et puis vous retrouvez un dinosaure que vous aimez bien et que vous voulez, vous voulez refaire, bah bon courage. Ça c'est un petit... Oula, il coûte cher lui. Allez. Et il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Ah oui, puis il y a un truc à savoir, c'est que bon, les dinos, on essaie de faire un, de le mettre dans un bon habitat déjà, enfin l'habitat qui leur correspond. Et ensuite, on met pas des gros. L'exemple typique, c'est on met pas des gros carnivores avec des petits herbivores parce que sinon ils se font un petit peu manger les pauvres. Hein. On essaie de respecter ça. On leur fait un enclos plus ou moins grand pour pas qu'ils sont trop serrés parce que sinon ils pètent l'enclos et en plus ils se blessent entre eux et ça fait chier parce qu'ils meurent tout le temps. Et ce que je voulais montrer, c'est ça. Vous voyez, j'ai mis deux sortes de dinosaures différents, pourtant c'est trois fois le même sprite. Et c'est un petit problème du jeu, c'est qu'il y a très peu de sprites, et en fait, du coup, ça se répète. Et visuellement, c'est... Bah, on... il y a, je sais pas, il y a peut-être 10 sortes. 10 sprites différents pour 140 dinosaures. Allez, ils naissent tous. Ça va, je perds pas de pognon. La première année, c'est difficile de... d'être en bénéfice, mais j'y ai réussi tout à l'heure, quand même. Allez, par exemple, là, j'ai plein de dinos. On va pas se faire chier. Allez, hop. On augmente le prix. Les gens, ils vont rien dire parce qu'il y a des beaux dinos dans mon parc. Et on va voir ce que j'ai récupéré comme dinosaure. Carnivore 1. Anglo 2. Là, ça va peut-être plus parlant, ce que j'ai dit sur les sprites. Parce que comme j'ai rajouté plein de dinos, bah, vous verrez qu'il n'y a pas tellement de sprites différents. Même, des fois, c'est même un gros sprite alors que le dino, il est petit. Hein. C'est un peu... Con. L'autre fois j'avais un sprite de tyrannosaure alors que. Bah alors que c'était l'enclos des petits quoi. Hop, ça c'est le taurosaurus. Non? Je sais plus, en tout cas ça ressemblait à un taureau. Et des fois je me plante, des fois je mets un herbivore parmi. Enfin chez les carnivores, après je reçois un message, machin était blessé, nom de l'agresseur, machin. Ah bon. D'accord. Faut être attentif à tout. Oh, une blatte, un facehugger. Bon, on peut 4. Et je disais, on peut avoir des catastrophes dans le jeu, tremblement de terre ou tornade. Ça abîme les bâtiments. Alors, et puis il y a un truc qu'il faut pas trop faire, c'est mettre des rochers partout, parce qu'en cas de tremblement de terre, les rochers se répandent partout, ils cassent les routes et c'est vachement chiant à réparer. Par contre, la tornade, c'est rigolo en fait. On entend ou on entend un petit souffle. Et puis on voit tous les visiteurs qui s'envolent d'un coup. Et en fait on perd du pognon mais et ça abîme un peu les bâtiments. Mais enfin ça casse certains bâtiments des fois, mais c'est pas ça va quoi. Et des fois les dinosaures peuvent s'échapper aussi et on perd du pognon, ils cassent des bâtiments, mais ils mangent pas les gens. C'est dommage. Ah je gagne des sous, je gagne des sous. Bah je pense que j'ai tout dit. Et j'espère que ça vous a plu. Voyez là. Il y a 3 Triceratops alors que j'ai pas de Triceratops. Ouais, c'est bizarre. Et il y a peu de sprites disponibles. Bah voilà, c'est un jeu que je conseille. Jurassic Park 3 Park Builder. Sur Game Boy Advance. Ah oui, si je l'ai dit ça, qui avait qu'une sauvegarde. Bah voilà, je vous le conseille. Il est pas très difficile. Il est sympathique, il détend parce que la musique elle est bien mignonne et tout. Et puis on a envie d'avoir les 140. Et en une partie c'est assez difficile. Après faut trouver un ami. Alors en 2013 va trouver un pote qui a une GBA, le câble, va mourir. Ok, Albert, oh, fais chier Albert. Ils sont fragiles les gros en fait. Les gros carnivores sont fragiles. Allez merci, salut et à la prochaine fois.